ça. J'ai hâte de pas le dire sur une vidéo, là, le mec qui m'a tout ouvert. Ah, je vais en profiter de la fois par la grèce, t'as une fois que tu comprends. Parce que avant j'ai lâché un cut-off, j'étais genre, oh my god! C'était violent. Mais je peux pas faire un cut-off en ville, fait que si je veux faire un cut-off là, t'as la place. Fait que dans le fond, ça devrait être bien simple, là. J'ai déjà slacké les bottes ici. Aïe aïe, tabarnak. Aïe aïe, ça frotte à terre, man, puis ça l'a sablé. Je viens de me couper dessus, c'est pas pris ça. Mais là, j'ai quand même un peu de misère. Fait que je me suis trouvé un bout de tuyau, là, qui fitait par-dessus, puis par-dessus. Il y a un petit lousse, mais en tout cas, là, je l'ai trouvé des collets de même, là, des collets d'exhaust. J'étais allé à Quincaillerie, puis il était fermé, man. Je me suis fait pogner, ça faisait 15 minutes qu'il était fermé, fait que là, j'avais le choix entre repartir avec ma ligne d'exhaust pétée qui frotte à terre, ou essayer de le souder. Mais je sais que j'étais chié en soudure, mais en tout cas, fait que là, tu sais, là, techniquement, ça tient, là. Techniquement, en ce moment, là, ça tient quand même correct. Mais je suis pas sûr que ça va toffer les routes du Québec. Fait que là, en tout cas, je me suis dit, je vais essayer de le souder, là. Ça ici, je sais pas s'il va souder bien facile parce que je l'ai pas sablé rien. Je suis déjà à chier en soudure si je suis bien installé. Écoute, si je suis mal installé de même, là, ça va rien faire de beau. Fait que moi, je vais juste m'assurer qu'il bouge pas trop, là. T'sais, là. Fait que, ça, on va essayer de donner, peut-être juste donner des tacs ou de quoi, là. Oh. Ça va encore un peu dans l'avant, mais. Non. Ouais, mais il est crissement moins épais. Ouais. Avant, j'avais peur de me prendre si avec. Mais dans le garage, ça fait pas trop peur. C'est plus sécurisé. Ouais, je vais sortir pour voir, là. Ah, c'est legit. Sketchy, man. Eh, calvaire! Tantôt, j'étais encore plus proche que ça en reculant, man. Wouhou! Parce qu'il y a. Il y a le Sylvie en arrière, mais je peux quand même reculer. Oh my god! Ouais, tu sais, je sais pas, il est où, là?
Pourquoi j'ai entendu crack crack, moi, là? Je pense pas que je l'ai accroché. C'est impossible, là. J'étais même plus vis-à-vis. Je suis rendu fucking loin. Je pense que c'est le tailleur qui a accroché de quoi à terre. Le tailleur qui est derrière vous. Ah, le bearing de... Voilà. Je vais m'arranger tout seul, comme tu peux voir. Ouais. Ouais. Là, où c'est mieux? Il doit commencer à être proche en esti. C'est l'esti de moteur à Kev, j'ai peur de cracher. Ben, oui, c'est un peu de tout, ouais. Ouais, c'est parce que dans le champ, c'est dur à dire. Ouais, non, mais j'ai checké. Avec ma tête aussi, mais. Ouais, dommage. Là, là. C'est une bonne piste. Il a fallu que je fasse gros du avance-recul, parce que là, je voulais pas accrocher les affaires de ce bord-là, je voulais pas accrocher le swap à Kev. Si on regarde direct en arrière, il y a mon Sylvia. Là, fait que je pouvais pas reculer direct en arrière de même. Fait que là, en tout cas, je suis rendu avec un sale angle, l'angle de la mort. Pour garage. Quand on est descendu du garage, j'ai pris un petit bout de vidéo. Mais il y a de l'air aussi straight pipe, tu comprends? Ouais. Mais dans la vraie vie, il n'est pas aussi straight pipe. Fait que là, c'est ça que je voulais genre faire la différence. Fait que là, hier, on est rentré sur le tour. Tout le monde, on va rentrer sur le tour. C'est pas la même entrée, là. Ça devrait faire pas mal moins de bruit. Char modifié au Québec, inspection même. Char de même, pas de problème.
Yo, je vois à travers. Là. C'est de valeur que je n'avais pas sorti deux minutes avant, je t'aurais pu arriver avec ton tercel de feu, man. Fait que ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!